Alexis Bourdon, Europe 1. Et puis les sports, Teddy Riner, roi de Paris, empereur du judo, le français a remporté hier soir le tournoi international de Paris pour la 8e fois. Et oui, 8 titres dans ce que l'on appelle aussi le grand slam, un record et c'est de bon augure à 6 mois des Jeux Olympiques. Axel May. À Paris, Teddy Riner est chez lui et l'a encore montré hier soir en remportant devant son public le prestigieux tournoi de Bercy pour la 8e fois, un record avec déjà en tête le rendez-vous olympique cet été. C'était important pour moi de venir sur Paris, ça fait une révision parce que ça sera comme ça le jour J. Le public m'a bien porté, maintenant il faut rester les pieds sur terre, faire un état des lieux. Comme je le dis, il reste 6 mois pour bien se préparer, pour bosser vraiment tout, la technique, le physique et bien sûr le judo. À 34 ans, Riner, barbe qui commence à virer au gris, va rentrer cette semaine à Marrakech où il vit une partie de l'année avant de revenir en France. Il devrait ensuite effectuer un nouveau stage au Japon, puis combattre sans doute une dernière fois lors d'un tournoi en Turquie fin mars. La suite du programme de préparation n'est pas encore établie, mais il connaît une date par cœur, le 2 août 2024, jour de la finale des plus de 100 kilos en judo.